que j'explique. Nos commentaires disent que le peuple juif est né à partir d'une matrice qu'était l'Afrique. L'Afrique dans le sens que les habitants de l'Égypte, Pharaon, étaient noirs. Et tous les habitants de l'Égypte à l'époque où Israël s'est retrouvé là-bas et est né à partir de cet endroit, tous, dans leur grande majorité, étaient des noirs. Et c'est quelque chose de fou, c'est quelque chose d'absolument incroyable, surtout que nos maîtres comparent, encore une fois, je me répète, parce que c'est tellement important, l'Égypte noire de l'époque était la mère qui avait enfanté le peuple juif. C'est quelque chose de fou que 99% des hommes et des femmes sur Terre ne savent pas. Chine, et ça, quand on a président, on a Poutine, il y a. Et c'est l'élection en 5 ans, et c'est bien qu'on continue à réfléchir. C'est bien que 5 ans, on a vraiment, tout comme dans la maturité, où tu as compris les mamans sous tes. To fungwa mimi solelo to moni bozo banyo soto sali oyako bongisa Congo avenir e bongito sala e bongito donc l'avenir ya Congo il faut réparer kasi tozonga botang bola nangate bozonga boye ko la mukila lobi to tamusa ngone papa lobaki non parce que pona kangisa nyoso na mukuse tango papa Simon Kimbangu kianga na lobi que to bandeli a zéro. Nous sommes à zéro. Tout le monde a dit que nous sommes à zéro. À zéro, nous sommes à zéro. Nous sommes à zéro. Nous sommes à zéro. Nous sommes à politique. Nous sommes à zéro. 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 Papa Simon Kimbangu qui a dit. Les gens en Chine ont dit la guerre en Amérique. Automoni ballon moko ya espion. Russie kuna automoni na Suède, soki na Norvège, soki na Finlande et tout ça. Bazwa ko espionner biso pour to koti no temps soki bonabonaboy. Ah, mon pépé, 3e guerre mondiale. Pour guerre mondiale na nezalate. On est ba guerre occidentale, on est ba ventir. C'est pour ça 3e guerre mondiale. O biso to na pays, to na mabanga zo produits électriques. Tolobaka mais botu na katé to balobaka Afrique ezali berceau de l'humanité berceau wana nana tuna déjà yeba OK na on rappelle que na kamba basali mama na imprimerie okoyé ko imprimer 465 000 livres 465 000 livres na une semaine et puis ba papier solo ba machine ezawana na droit mécanique et ça artisanat. Kasi, tout bon samboko na biso, tout ça la bato sentiment, tout ça la ba artiste, ba écrivain. Y'a un moni même diaspora, ba hôtel et la biso, ba qui se basa na mes raisons na bango. Aza mwana moto te, bo ako sangai, abongwa ni pete, bo awangata. C'est avec un grand plaisir que nous vous disons bonjour et shalom chez vous, peuple de Dieu, amoureux et amoureuse de la parole qui est Jésus-Christ, bien sûr. Maman Tiffany Mokwa, dans vos maisons, partout où vous êtes en ce moment, on est ensemble, il n'y a pas de souci, Christ reste le même. Avant de vous présenter mon invité spécial du jour qui est déjà sur ce plateau, demandez à la régie de nous balancer un cantique pour la gloire de notre Seigneur et on se retrouve tout juste après. Le sac, comme on dit, beau s'abonner massivement, beau talento na chaîne Okitoko et à Maman Tiffany, voilà, musicale, chaîne musicale Naye. Vraiment beau savourer le sac, comme on dit. Et pour nous tous, on a tout ça, papa Luanga. Bonjour, régie à vous. Allez,
Et c'est comme ça que finalement, l'Égypte s'est retrouvée pratiquement avec, il y en a encore aujourd'hui beaucoup, mais la grande majorité des Égyptiens ne sont plus de couleur noire, parce que l'origine des Égyptiens d'aujourd'hui vient d'autres peuples, d'autres endroits, que Sankheri va déporter jusqu'en Égypte, de manière à ce que tous les peuples soient déracinés de leur source première, afin d'affaiblir leur identité. Et c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Donc maintenant, je reviens à ce que j'explique. Nos commentaires disent que le peuple juif est né à partir d'une matrice qu'était l'Afrique. L'Afrique dans le sens que les habitants de l'Égypte, Pharaon, étaient noirs. Et tous les habitants de l'Égypte à l'époque où Israël s'est retrouvé là-bas et est né à partir de cet endroit, tous, dans leur grande majorité, étaient des noirs. Et c'est quelque chose de fou, c'est quelque chose d'absolument incroyable, surtout que nos maîtres comparent, encore une fois, je me répète, parce que c'est tellement important, l'Égypte noire de l'époque était la mère qui avait enfanté le peuple juif. C'est quelque chose de fou que 99% des hommes et des femmes sur Terre ne savent pas. Et j'oserais presque dire, même à l'intérieur de notre peuple, très peu comprennent cette histoire absolument incroyable que finalement, c'est d'une certaine manière la race noire qui a engendré le peuple juif. C'est quelque chose de fou et qui confirme de plus en plus ce que j'expliquais déjà dans mes deux premiers cours, le lien inimaginable qu'il y a entre Israël et les Africains et qui va se renforcer de plus en plus et qui va se révéler dans toute sa puissance au moment de la délivrance finale. Vous comprenez pourquoi la première chose que Moshe a fait lorsqu'il a dû Moïse, lorsqu'il a dû quitter l'Égypte, il est resté sur le continent africain, il est descendu donc vers le centre ou vers le sud de l'Afrique, et il s'est marié, et il s'est marié avec une Africaine. Sa première épouse qui l'a accompagné jusqu'à la fin de sa vie était une Africaine. Nos maîtres nous rapportent déjà dans des commentaires, il y a depuis très très longtemps, que quand Alexandre le Grand, vous avez tous entendu parler d'Alexandre le grand conquérant grec, il a conquis, comme on le sait, le monde entier. Je parle du monde civilisé de l'époque. Et la dernière étape où il a été, c'est écrit dans le Talmud et dans d'autres textes, donc des textes qui datent de plus de 2000 ans, que la dernière étape où il a voulu continuer sa conquête, c'était en Afrique. Il est parti en Afrique. Et en Afrique, il est tombé sur une armée de femmes noires. Et ces femmes noires ont vaincu Alexandre le Grand et l'ont chassé.
Ça veut dire que c'est quelque chose de fou. Alexandre le Grand s'en va en Afrique. Il tombe sur une armée de femmes et il est repoussé par cette armée de femmes. Qu'est-ce qu'on comprend? Quel est le message? Et je vais expliquer dans quelques instants, malheureusement, ce qui s'est passé après en Afrique. C'est que nos maîtres nous expliquent depuis plus de 200 ans, depuis plus de 2000 ans, qu'au départ, le peuple africain était tellement fort sur le plan physique que même des femmes africaines sont arrivées à repousser l'armée d'Alexandre le Grand. La seule armée qui a vaincu Alexandre. Ça ne s'était jamais passé nulle part ailleurs. Partout où Alexandre allait, il gagnait. Maintenant, donnons un exemple simple aussi. Sur le plan sportif, les plus grands athlètes dans le monde, c'est sûr qu'il y a des blancs, des jaunes aussi, mais parmi on pourrait dire, la première ligne des puissants athlètes, que ce soit en boxe, que ce soit en course, que ce soit dans tout ce qui est l'athlétisme, etc., ce sont quand même des noirs. On voit que les noirs ont une puissance physique inimaginable, surtout dans le domaine de la boxe. Tous les champions de boxe mondiale, pratiquement à une ou deux exceptions près, sont des noirs. Il y a une puissance, une force incroyable, dans la matérialité africaine. Et on comprend maintenant pourquoi l'âme d'Israël, en tant que peuple, doit s'unir à l'Afrique quand elle retrouvera sa vraie puissance. Parce que de la même manière qu'il faut avoir une âme puissante dans un corps fort, comme on dit d'ailleurs en français, un esprit saint dans un corps saint, je préfère dire une âme forte dans un corps fort, qu'en vérité parmi tous les peuples, ceux qui ont hérité de la puissance du corps plus que n'importe quel autre peuple ou civilisation, c'est précisément les Africains. Et c'est la raison pour laquelle, au moment de la délivrance finale, la puissance de l'âme d'Israël va s'unir à la puissance, on pourrait dire, de la réalité matérielle, corporelle de l'Afrique. Ça va donner une civilisation avec une puissance inimaginable qui pourra vaincre le mal, repousser le mal et installer le bien dans ce monde. Qu'ont été les plus piétinés, les plus poursuivis, les plus maltraités, les plus exterminés dans toute l'histoire humaine, les Noirs n'en parlant pas, les destructions, les guerres, tout ce qui s'est passé en Afrique jusqu'il n'y a pas tellement longtemps entre les Tutsis et les Hutus, etc. Et on va en parler bien sûr. Donc, il y a et aussi l'exil. Les Africains sont exilés aussi aux quatre coins de la Terre. Il n'y a pas un pays au monde où il n'y a pas des Noirs aujourd'hui. Alors qu'ils avaient un pays d'une richesse inimaginable. Que le pays le plus riche en ressources matérielles du monde, c'est l'Afrique. Il y a tout là-bas. Il y a le diamant, il y a l'or, il y a des minéraux, il y a une richesse inimaginable. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment les Africains ont pu être exilés? Comment ont-ils pu être transformés en esclaves? Comment ont-ils pu être piétinés, massacrés, violés? Mais le jour où on retrouvera les archives véritables et qu'on se rendra compte de ce que les Blancs ont fait aux Noirs, on se rendra compte que ça a été un véritable génocide. Ne parlons pas des viols, ne parlons pas de tout ce qui s'est passé. Les jeunes filles étaient violées, les femmes étaient violées, les hommes étaient massacrés constamment, pendus, torturés à mort, jetés dans des trous dans lesquels on leur donnait pas à manger et ils mouraient de faim s'ils osaient lever le nez contre le maître. Parce que malheureusement, ça fait pas si longtemps que ça. L'exil, l'humiliation, le racisme, les massacres, la transformation en exil, la transformation en esclave. Mais c'est pas par hasard. Puisque Moshe a épousé une africaine, puisque le peuple juif est né en Afrique, puisque comme je l'ai expliqué à cette époque-là, tous les Égyptiens étaient noirs. C'était avant la transportation de population d'un pays à un autre. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? La civilisation blanche occidentale, pourquoi elle veut mettre la main sur l'Afrique? Parce que l'Afrique a des ressources comme aucun pays n'a au monde.
Comme on le sait, tous les diamants sont en, la plupart des diamants sont en Afrique. L'or, l'argent et quantité d'autres ressources pour faire des médicaments et d'autres choses. La terre africaine est extrêmement riche. Et donc, le monde occidental a voulu s'approprier l'Afrique. Pourquoi ? Parce que les Occidentaux ont besoin d'une Afrique divisée, d'une Afrique en guerre. Ils ont besoin d'affaiblir les peuples africains pour mieux mettre leurs mains sur toutes les ressources et toutes les richesses africaines. Et donc, c'est évident que c'était les Occidentaux qui ont provoqué cette guerre entre les Tutsis et les Hutus. Et combien d'autres génocides qu'il y a eu dans l'histoire entre les Africains eux-mêmes ? Pourquoi ? Mais c'est très facile à comprendre. Vous croyez que les chefs Tutsis ou les chefs Hutus, par qui ils étaient payés ? Qui leur a ouvert des comptes en banque dans lesquels ils ont mis des millions ? Les Occidentaux, évidemment. Et tous les... Bon, aujourd'hui, il y a beaucoup moins de dictateurs, c'est vrai, en Afrique. Mais pendant des siècles, vous le savez tous et toutes, l'Afrique était remplie de dictateurs. Par qui ils étaient financés ? Par qui ils étaient payés ? Mais par les Occidentaux. Et pourquoi ? Dans le but d'affaiblir les peuples africains. Et pourquoi ? Dans le but de les affaiblir afin de pouvoir après piquer, prendre toutes leurs ressources. Et on sait très bien qu'à chaque fois qu'on expérimente un nouveau vaccin dans l'OMS, d'accord ? Qui c'est qu'on prend comme cobaye ? On va trouver un village perdu en Afrique, on leur apporte de la nourriture, on leur apporte de l'argent, et on leur dit, en échange de l'argent qu'on vous donne, essayez le vaccin, la moitié disparaissent, et puis comme ça, on expérimente sur les Africains, on expérimente tous les nouveaux médicaments. C'est la grande ressource de cobaye du monde occidental. Ça veut dire que qu'est-ce qui s'est passé avec les Africains ? Les infiltrent de l'intérieur, on paye des gens pour les détruire de l'intérieur, pour les affaiblir, et comme ça on leur pique toutes leurs ressources. C'est la meilleure manière de voler quelqu'un, en l'affaiblissant, qu'il n'arrive plus à se protéger. Qui est le modèle de la délivrance finale au niveau des nations ? Un noir. Ça veut dire que la Torah nous révèle il y a des millénaires que le modèle, que le phare du retour des nations à Dieu, le Dieu authentique, ce sera un Africain ou les Africains et non les Blancs, non les Occidentaux. Après, tout le monde suivra, les Asiatiques, les Occidentaux, tout le monde suivra. Donc vous voyez, mes amis, que finalement, c'est toujours comme ça. C'est les peuples les plus poursuivis, les plus volés, les plus piétinés, les plus humiliés. Et tout ça, vous savez pourquoi ? Parce que finalement, nous cachons en nous la lumière de Dieu. Et c'est justement parce que nous cachons en nous la lumière de Dieu que les nations ont tout fait pour nous humilier, pour nous piétiner, pour nous détruire. Mais finalement, au moment de la délivrance finale, cette lumière va se dévoiler, va se réveiller, et les Africains qui seront au-dessus de toutes les nations. Et vous verrez que cette chose-là se réalisera. Chine, et ça va être un président, un Poutine, il c'est une élection en 5 ans, et c'est une élection qui réfléchit. C'est bien que 5 ans, vraiment, tu comme dans la maturité où tu as compris les mamans. To fungwa mimi solelo, to moni bozo banyon soto sali, oyako bongi sa Congo avenir et bongi to sala et bongi to. Donc, l'avenir ya Congo, il faut réparer. Kasi, to zonga bo tango la nangate, bo zonga bo yeko la mokila lobi, to tamo sa mone papa loba ki non. Voilà, ba sa ya ki na service a bapaya, pona tanga langa bako bote. Lo kwa la service a bapaya, ememini, ememi aliénation. Pasi na voye biso eloko yza na force loko l'évangile ezate. Un pasteur, sauf à l'obin, il y a des ministres, des magistrats, des ministres, des gens qui sont à partir de l'obin, il y a des gens qui sont à 8h. Ministre, il y a 8h. Excellence, s'il vous plaît, toi, en retraite. Pasteur, il y a un ministre, il y a un diable, il y a un diable. Tout va s'en aller. Il y a un diable. Il y a un autre dame. Il y a un diable. 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 Il y a un mal. Il y a un copain de ma soeur. Sauf que le ministre, le premier ministre, même le président de la République, il y a un monde qui a été attaqué dans ma bâtiment.
asambelaka mona bato papa bato ngambo ba le ba nemisi ba so na nina tu na tona to zaka na biblia wana e to zaka wana o ce qu'on a moto na les albums est-ce que bible ne lo et seigneur na biso kaka to pe na ba africain ko la nsa ba papa simo manga lo ba ki to garder ango kaka toto zela na dio kate non yo ka non not un des métaphysique. T'as plus la kito ou mettre Gim sa film. Bon, motuna n'angéza bon. Papa le bagito tanga to kanga moyibi. Alors moyibi wana to kanga sur le plan politique, religieux ou bien scientifique pour mater zami lo misato yo. Papa a m'aimé la kibisu. Motuna musu se zali. Est-ce que ngonga yako tika biblia? Et comme il y a tout ça, 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 il y a il y a tout ça, 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 oui, c'est que on a dit que nous avons 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 dit que papa avons bah déclaration est tellement fort bah il est qu'il est là dedans est-ce que ce qui coco nabino azala papa qu'est-ce que c'est pas bien ah mais nous avons compris la question nabino t'es grand père nabiso hier a vendu awa à la guise papa c'est mon qui m'a enquêté et ça fanatisme t'es pour foyer hier bah on boit na king coule ya bankongo la réincarnation existe na le bandeli na king coule dans le coco sainteté abiso bah indo netinga nazalaka nazalaka incarnation ya lohanga ya ngomoni babenganga pena nazui pena te parce que koko nanga zalaki roi non non akuchu koko na biso ayambo o batonga ki d'Egypte ton ba kiti ba bazongi po babanda ka basali migration bazongi ton ba kitana ki nazaki réincarnation na ya ngomoni na déjà la même ba subata suki a pembe o ba papa na ba boti ba meminga ndeni na bomo tambu saba o ebe aka mo suma ba lobi oyo ki oyo bi bango système a Daniel ka ka boti ke la ngata na repo na bino lobi o zongi pa busolo je réponse tantôt na molimo tantôt na malmal ba bo oyo pesi bango bo siko yo koma papa simo imbango a lobi na ko bota mali susu papa ko penda azaki na systématique pa pour indiquer les accords a bongoli ya mo bil kambo lo ba papa diange na kuntima ngaya mutema bonga papa diange na kuntima lobi yango tabana na biso misato ata batu lelo yo baliba bongo la histoire yango to ke na okeno na deuxième question ni vérité etika la vérité pourquoi babenga ke kuila kani mbiziko ligorodo parce que banda ki koluka ba exterminé bano babota maki na époque wana 51 mais mouvement vent wana memaki tozo indépendance e bimaki quand mais lelo oyo nana ki nozo koko kinzembe yo ke nozo simeti semona se botu na biso batoki na mamba ba momi ba lo ba ka dégage ka malédiction mindele ba kufaka bo ya ko zoko ko izo babi sete o ke ne bote beta mvula a beti sa mvula na Congo Central kuna ba yome tuna bato ba bazala kuna ba ko mate soki nga na kosi yao mais papa diangi na ngute makena Israel a beti mvula bo mona ke za 6000 o ndenga za na kutu asa maele ta saki kaka mécanisme mais oui mécanique ezani za transformation te est yo ba otiko lo voiture zo démarrer te au démarrer amo muntu azui ba soupa pa azui ba wa sangisi tout ça voilà bon ezali meka kasi na botengi na bible te ba ba sept kenyo soto na bando bo la ba meme ba zali na transformation ton encadrement soki ka sakenda ke europe kasi bonge bo lo ba ke ba ba pesi amo kuna vous voyez a tourner ka na trois congo azui plan ai asali ba mise bilaka ndenge na ndenge monani engo lo ba ke ye sika boye mais oko kangisa ngo ndenge nini na longwe na question. Donc ça dit tata Simon Mbango a koufaté. Il vit. Biso ba on sait que na biso ba ba sala ki voyage. Le lot ozo lo baquet,
bah Osiris, bah Isis, bah Leïna, bah qui voit les choses et tout ça. Mais pourquoi bah Isis ou Anna, bah Osiris ou Anna, bah les gars qui bah immortel, mais tout le temps bah on a temps présent. Tu vois quoi? Na deuxième, na première question là, c'est que bisonné toyeba qui totozo yeba ko sosolata o tozate parce que pour na kangisanyo sona mokuse tango papa Simon Kimbango kianga na lobi que to bandeli a zéro nion sotou a zéro to lukali susu nganga nini aya o yebisa biso a zéro ane zali mama ne otuninga eza si le plan politique. Est-ce que vous avez une politique qui a moqué les gens à Ousous? Hein? Au Bazaki, Balé, au Baboy. C'est la troisième guerre mondiale. C'est déjà déclaré. Troisième guerre mondiale, Moutaloba qui a moqué et Rosalie Tata Simon Kimbang. Papa qui se loquait les accueillis qu'on rappelait en haut roi belge. Ce qui a boyé ma camo, on a joué Bissayo. Troisième guerre mondiale et Rosala, Yona Tata Nangaï. Voilà, place à Bimisi Boussol. Et c'est la troisième guerre mondiale. Il y a une époque où il y a une époque où Papa Simon Kimbang est en train de se faire. Chine, Azali, la guerre en Amérique. Il y a un ballon qui est espion. Il y a un ballon qui est en Suède, en Norvège, en Finlande et tout ça. Il y a un espionné qui est en train de se faire. Mais il y a un ballon qui est ce qui au luki au loni babanani faut préparer nini mou pépété pour mou pépé roya mou pépé yé troisième guerre mondiale pour guerre mondiale nan ezalate on est la guerre occidentale on est la ventir c'est quoi ça troisième guerre mondiale ou biso toi na payo toi na mabang iso produit électrique mais ce qui balobi ke biso batoua ya moto ça la qui électrique wifi tout ça l'invention tout ça tout boya mon deni botala na ba ressources ni zo la qui sa contemporain ou zala bilo wala. Et ça, on a monté ma mère, ma qui a reconnaissance. Mais tu recouvres pour nous en envoyer, pour nous en envoyer des aliwa, maman. Si on a envoyé des aliwa, des aliwa. Bato ba maîtriser maï, bato ba maîtriser mon pépé, bato ba maîtriser tout système, des abissos. Voilà un peu pour la clause, pour la colle, car malobaya en tout moite, tata qui m'a envoyé que tu bandes à zéro. Non seulement boto bandela à zéro ba nanga mais boye ba ke ki monamé sonya surtout bo mona to yeba kate ba chinois ba zaka ba noa ba ris ba américain biso ba somme le lo ki monamé se mona mais mon tuna pende za ki wana te ya mon tuna te ya mona na répondu na la globalité que est-ce que biblia utilité nango ici ici toto gardant to zela ka papa Simon Kimbang aya. Peut-être le roi n'a répondu dès la première question. Bah, moi, non. Bibili a tant d'angoué cécilité, maman. Oh. Et là, on a monté, on a démonté dans toute pièce. Ça, c'est l'histoire. Il y a battu. Bon, on a dit. Bon, on a dit. Mais, tu recrées l'histoire. Oui, bite. Tu, dans les places scientifiques d'Égypte, il y a des belles, belles, tu recrées l'histoire. Il y a un forum annuel. Mais comment tu recrées l'histoire? Comment tu expliques que. Et le combo benga ça lokuta to pe ba contenu nango ne problème nango ça lokuta mais ça livre le plus connu du monde. Mais oui parce que pour baga nango et bon yo mona ka rambote rambo na commando ba koti na Vietnam mais pourtant Amérique ba betaye na Vietnam le roi ba na miki et frappe Amérique aux oies hein qui gagne puissance on nga mona ngo te Kuba o Amérique ezwa na Vietnam. Toyo ya susu na Afghanistan. Ah wow. Ba tout funiye li susu kona ou desaki a mérité autant. Ah ki mona meso, ah ki mona. Na pesi ba déjà nyonso ya Afghanistan mbote na mino place bozali. Wana baba vie na ngai. Ba monene kaka Kadhafi. Kadhafi a pamba kuta mise ba ngo pema. Autant azwa frappe moko. To qu'est-ce qu'on a réussi? Eh baba boulegi azamo la muke. Ota nia tamia beta miti ba komo bisa meme na ba charo ba bombaki yo otala kya monte metala na ba film po bagane do wane za ngobe ba po bagane do sa di eza livre oyo e panza na mokili mo masave 22000 me eloba mari peke après 22000 e okoya ba mo ba bimisi ba secret
Parce que c'est quand même la bombe qui est sous sol, il y a Vatican, il y a qui nous a dit. Le lobby surtout tolobaka mais botou na katé to balobaka Afrique ezali berceau de l'humanité berceau wana nana tuna déjà yeba alors aussi pour bagani ya Jésus nani aboma ki histoire wana ko crucifier ngo d'une manière authentique ezala ki bango mais ba nani bazo payer lelo na même Berlin non. Apandi URSS, apandi Afrique. Après qu'on pense Afrique, après qu'on pense URSS, résulté zanine. Afrique est comme tombama, URSS est tombami. Berlin wana, na ba européen, ba komi, ba kotina occupation. L'Amérique, parce que on a biso bazalaki, avant ba peau rouge ba ko occupé bango. Lelo est le même européen au Bakenda qui kuna babaluki le baninga la ngo ba européen les occidents ba occupé ngo lelo oyo Europe et continue esclavagisme ba komi ko dépendre culturellement ko lia na bango nyoso c'est l'Amérique qui décide mais comment bato kutu baza déjà occupé ba européen sa leçon en Afrique ta la Mali na la sali ke na Mali ezwa bosomi o bazo mi malangona c'est tata kimbao aussi ba Burkina aussi ba Guinée Margueza à côté goutte mais so sous sa sillon au la ndenge nini to tirer na ba futilité biso ba congolais il n'y a que ka koloba okuta ma batu mobwe 1 million de personnes balali autre au sambela au sambela bonne retraite d'accord après autre après mutu mutu zonga mais ba jeune wana ba ko sa bilanga. Parce que tu as déjà spiritualité. L'église aime les occupations. L'église aime les aliénations. Qu'on se les dise. En tout cas, dans la conférence, dans la démission, il faut que le sentiment de Dodokolo. Alors, changement dans le monde. Merci, papa. Pour la chute, on a rappelé que notre camp Babassali, maman a imprimé. On peut imprimer 465 000 livres dans une semaine. Et puis, papier solo, ba machine est là. Et on a dit que c'est un courrier en 1921. Mais voilà, comment est-ce que ba imprimer aux Zala, miser aux Zala, au temple, au Tongama, à l'aéroport, à l'immeuble, à tout le monde, à tout le monde. On a dit que c'est humanité et au bandoya wana. Donc même ngai l'univers na ko imprimer on en kamba. Merci beaucoup papa Luanga to kozungela yo ka toujours na l'histoire ya Biblia au papa Simon Kimanga albaki to e ba soki impact na wesa ni sur le plan politique, sur le plan social et puis sur le plan économique. Est-ce que Bible est produire quelque chose ou pas au démontrango noir sur blanc. To comme la soukal le bana soka. Ilo bana ngai tout cela quand même il bat tous sentiments tout à l'ambo qui s'y croque mais le peuple souffre. Le peuple souffre. Dans ces pleins temps au président Félix Azu Okonzi a bien dit artiste artisan alors bagi que nana pour ça y a bino artisan pour produire sur le plan industriel to kota ki lisanga to komi to sali ba programme na ba papa bis lelo oyo to moni ministère ya artisan sur l'un des membres. On dit artisanat ngolo akseni. Artisanat ngolo la pêche zawana. Kosa la bitoko bandako babike fabrication bref. Même biblia ba imprimerie tant au bozo sala objet do livre moko bo imprimer ngo amasse na droit mécanique ça artisanat. Kasi. Tout bon misamboko na biso tout sala ba to sentiment tout sala ba artiste ba ekri ya moni même diaspora ba hotele mela biso ba c'est pas ça na mes raisons na bango parce que artiste ba to bilobi bazala kapo na protection mboka même pe ba spirituel ba travaka na bango
Parce que c'est un inventaire tout ça spirituel où il logo et la coque et non, tout le monde a qui on est battant la Bible, tout le monde a tabé, non, que ben François Bilogo, tout ça. Il est temps, la vérité. Awa, tout a qui mon tout. Bon, kimbangu.com bon kuta tout yanga beso abeti jos lohanga konga bon jospen parce qu'on a bien tout dit pour tout le rolango bon mon anion sauté au bima ok na Instagram et TikTok et bah tout ça bah réseaux sociaux na tout ça pour tout ça passe ça mais ngai moko na za mutabike na sala kabike ko bah pied tomba bah every day na za la rawa na travail ya oteka. Ah, mais bon, elle est déjà la livre. Mais si elle est à côté, elle est tout le temps à tous les maïs. Mais si elle est à côté, on fait des expositions sur ça. Et ça, pour l'action qui est mon salaire, on a un salaire. Mais si elle est à la média, elle est à la bonne chose. Pour ce qui est à la bonne chose, elle est à la bonne chose. 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 Na lona na bokola na yoro mamba busola lobara. Prochaine émission na bengso sa na na résidence na. Hein? O mona mabata, maki deba otokali lo maki o mona ba solo ba tout ça. Donc na tina te na otok sa mbala et tout ça na comme ça ngo poussier na lambela ngo fufu. C'est que to yo loba la vérité pour busa to sa la. Tika kimi nzambi ampu. Tata Simon Kimbon kiangani. Oyo ayeko big sa mukili na 4e génération. Et ça, c'est un biso. Tata, yo, yo, qui la biso mawa. On m'a dit, ma cambo, tout le bao. Bino de boako la biso. Mais pour paiement qui biso na 2050, pour pesa qui biso tellement avance, mais on peut dire, moi, 2000 ans, ça baisse la vie. Si quoi, yo, to comprenant qu'il y a un moment bien tépé, à ta yo, moko, na ba 1960, bozo, et sa biso, ma cambo, na ba 2050. Bota la lolendo, na bito, ba maman, na borgueye, na wazo, mon abiso, à pair. Ba classe to tanga lo côté à l'iné biso to ko tanga sou ba théologie li sou te bomi ko jé sa biso to le mambata ko to te ya mambwa bible kaka to continue nango yo ke la biso mawa so yo lo ko lo bito ba nélé à zéro pou yo to mona biso to mona raté mais père yo bi ki kengia pa di la sauf ki pé o ya ko yo katé tché na grana yo ka biso ma biso ko sa bana na biso ba vivre en esclavagisme et en occupation o te na pas sur zaté. Bah vivre Congo est moko ya meilleur nengo baki ke le pays qui coule le et le miel Sion pour tout ça na eau potable tout ça na terre en tout cas tout souffrir vraiment bata ma tembele na wenze bungi après on a olo na parler na mais na opesa pe banane otika banane kimia na yo ezakati na biso ndengo lo bako kozonga na bozongi na yo yozana biso to mona ona génération poto kanga yo lokutate po bolati banzoto nzoto elembaka. Oyo lingo sa la biso et salama na ta oyo yo o lingi mais o biso to lingi te mon kumbo se e moi ni tata monda vele la. Amen. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin. Ciao. Aza mwana moto te po akosangai abangwani pete po awangata nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien. Ata ko babakola ki mafuta na musakoli.